Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la Fédération des Citoyens Unis. Alors continuons notre aventure galactique avec la Fédération. On était en train avec la Strike Force Wyvern du coup de venir éliminer l'extraction de ce truc là par ici. Hop là, stop. Alors la cache énigmatique s'en va. On a récupéré un nouveau trait, parfait. Quel dommage ou au grand soulagement. Au grand soulagement, je sais pas trop ce que ça change. Alors, ce que je voudrais comme trait maintenant. Maintenance des vaisseaux réduits, capacité navale augmentée. Ça pourrait être une bonne idée. Parce qu'après, bon, les trucs là-haut, ça viendra pour plus tard. Je pense qu'on va aller vers suprématie. Ouais, réduire la maintenance des vaisseaux, ça va nous faire du bien. En termes de trucs là. Et ouais, ça, on devrait pouvoir les éliminer rapidement. Kaboum. Voilà, et on n'a rien perdu a priori. C'est génial. Alors j'ai demandé à un de mes vaisseaux scientifiques de venir faire ça. Et... connaissance du système dans la foulée. Ah du coup, ah bah oui, il va utiliser le trou de verre. Ensuite, nous avons ce monsieur qui peut venir faire ça. Ce monsieur qui ne fait rien pour l'instant, mais... oh, tiens, une nouvelle civilisation. Construction complete. Donc toi, j'aimerais bien soit te... Recon pass completed. Ouais, te renvoyer là-haut. Essayer de construire par... dans cette direction. Alors sur Gotham Prime, ici, j'aimerais faire une centrale chimique. Comme j'avais dit, c'est ce qui me manque. Parce qu'on est à plus zéro sur les particules volatiles, du coup j'en accumule pas tant que ça. Pareil pour les cristaux rares, il va me falloir que je construise un endroit où... enfin, que je choisisse un endroit où je vais pouvoir construire. Complete. Ah putain, on a deux civilisations par ici après. Ok, Strike Force Wyvern a été réparée. On va, je pense, la renvoyer au combat. Parce que je dois avoir d'autres endroits où il y a des hostiles, non? Ici. On a quelques drones anciens. Et on va peut-être en profiter pour venir nettoyer même certains de ces systèmes là. Parce qu'on a quoi? Là, peut-être pas, non. Scavenger Bot... celui-là, on va éviter d'y toucher. On est vieux... ok, là, on a des drones miniers. Là, ah, on a la fameuse base des... ah ouais, on va peut-être en profiter pour y aller. Ok, services supplémentaires qui sont produits. Ça, c'est parfait. Plus de nourriture produite par les fermiers, ça ferait du bien. Le centre de cryo permettrait d'augmenter le personnel de santé, qui augmenterait notre vitesse de développement des populations. Après, je pense que niveau pop, on est bien là. Donc j'ai pas trop besoin de le prendre. Le centre de traitement des denrées permettrait d'augmenter la nourriture produite. Mais sinon on a celui-là qui permettrait de bien augmenter la nourriture produite aussi. Je pense qu'on va juste booster la nourriture produite par les fermiers. Ça me permettra de... ouais. On va avoir quoi, 40 de plus grâce à ça. Pioup. Avoir une belle téléportation. Ah, celui-là, on va le coloniser par contre. On en a d'autres des sympas. System reconnaissance completed. Ah, mon Gaïa! Pas fait gaffe à toi. Avec deux trucs, c'est quoi? C'est piège à particules et... ah, des établissements primitifs abandonnés. Construction complete. On nous donne juste des districts agricoles supplémentaires. Ah, on est au max là-dessus. On va vendre tout. Donc sur Alpha Centauri... on est à 55 sur 56, donc du coup on va pas avoir vraiment beaucoup plus de trucs disponibles. Donc on va peut-être devoir remplacer ces districts générateurs si on veut produire plus de choses sur cette planète. Alors après, comme j'ai, on est quoi? On est à deux centres de recherche. Je pense que je vais en mettre un troisième tout simplement pour l'instant. Et ouais, vous savez quoi? On va remplacer ça par un district urbain pour l'instant. Donc du coup ça va nous foutre encore dans le rouge sur l'énergie, mais bon, on peut s'en tirer. Du coup, toi, alors, maintenant qu'on a coincé par là, la question c'est, est-ce qu'on se développe par là ou plutôt est-ce qu'on va pas revenir plutôt dans cette direction pour se développer dans cette... je pense qu'on va plutôt se développer dans cette direction, ce sera mieux. Toi d'ailleurs, tu vas nous faire ces stations minières et stations de recherche, putain, 12 de recherche en... nice. Riche en gaz et molécules, beaucoup de recherche sur place du coup. Alors toi t'as pour objet de venir là, et toi t'avais pour objet, yes.
Alors la Strike Force, pendant ce temps-là, elle s'approche de sa cible. Ah, et on a un croiseur qui essaie de la rattraper. Alors, sur Irma, on est sur un monde où je pense que nous allons faire un réseau énergétique pour booster la quantité de ressources énergétiques produites. Parce que ouais, ça consomme beaucoup sur ce monde déjà, à la base. Alors, qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Collection exclusive de Babiole Triode pour 500 d'unités. Le prix réel des biens de consommation peut différer selon la vie de chaque individu. Ah, ça nous donne... Ouais, non, ça m'intéresse pas, désolé. C'est des biens de consommation, du coup. Science Division report success. Alors, ok, courvette un petit peu boostée. Ça, ça pourrait être intéressant. Si on boostait encore un petit peu l'extraction de nos stations minières, étant donné qu'on est bien déployé, ça nous permettra pour chaque monde où on se trouve. Waouh, putain, 142% pour l'extradition. Kazu Prime expliquant qu'un certain nombre d'anciens membres de la Van Graal demandent l'asile politique sur la planète. Yeah, je pense qu'on va accepter. Il me semble qu'ils étaient déjà venus, non? Ouais. Construction complete. Ah non, ça c'était des humains hybrides. Voilà, il y a des humains hybrides et il y a des Van Graal. Ah mais oui, mais c'est vrai que je les avais tous modifiés. On va appliquer le modèle pour cette pop. Ça prend 5 mois à peine. Et oui, parce qu'ils ont des traits qui sont très sympathiques. D'ailleurs, mes humains, j'ai encore un point de trait que je pourrais leur donner si je veux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner? Gain d'expérience, peut-être pas. Forte serait sympa, je trouve. Allez. Donc, mais ça je l'appliquerai plus tard. Et après, du coup, pareil, à partir de lui, on va lui donner forte aussi pour essayer de garder une certaine cohérence entre nos deux espèces. Bon, après, on a ces deux mondes ruraux qui ont se développé. Parfait. On est à quoi? 40 sur 43. Alors déjà, on va upgrader ça et on va faire une usine de cristaux de synthèse ici parce que j'en ai besoin. Contrat de cristaux. Et je pense que ici aussi, on va peut-être faire notre centrale. Yes. Que je dise pas de bêtises, parce que bon, on a juste cette vallée isolée sur ce monde. Cool. En plus, il a même pas pris de dégâts, c'est parfait. Bon, après, est-ce que dans cette direction, il y avait des trucs? Ah, il y a la matriarche Tianqi par ici, encore des drones. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec cette flotte tant qu'on l'a sous la main? Après, ça me gêne un peu qu'elle soit éloignée du front, mais c'est vrai qu'on est un peu tranquille grâce au fait que nos chers arachnides ne veulent pas spécialement nous attaquer. Voyons voir. Non, j'ai pas spécialement d'autres mondes, enfin d'autres endroits à aller. Ah si, remarque, on avait ça à faire. Ouais, vous savez quoi? On va aller le faire. Pas si loin. Et comme ça, ce sera fait au passage. Et après, d'ailleurs, toi, tu vas finir dans un second temps après à faire le projet de recherche ici et la reconnaissance de ce système dans la foulée. Et je vois qu'on a des anomalies qu'on n'a pas faites. Je crois qu'on les fasse, un de ces quatre. Ok, toi, t'as fini. Et toi, ben, on attend que l'exploration soit terminée ici, malheureusement. Oh! Nous avons perdu un officier scientifique. On va prendre celui-là. À l'âge de 83, ouais. C'est jeune, hein. C'était jeune pour mourir. Hein. Bon, après, sur les stations, là. Ah, parce que ici, on est vraiment verrouillé en mode militaire à mort, quoi. Là, on pourrait faire. 1, 2. Ouais, ça permettrait même pas d'obtenir ça en fait. Donc autant peut-être mettre une batterie de canon ici. Et pour l'instant, en guise de second truc, je sais pas trop quoi rajouter. Je pense qu'ici je vais avoir besoin d'un port stellaire. On va le faire du coup.
D'ailleurs, tiens, on a beaucoup d'alliages. Il va falloir qu'on les vende. Quoi, ce truc? Oh, il y a un vaisseau colonial ici. Comment ça, il y a un vaisseau colonial? Science Division reports a new breakthrough. Anomaly found. J'ai l'impression qu'il y a un bug, les amis. New species variant available. Alors, développement interrompu, merde, ça c'est con. La liaison énergétique, c'est cool parce qu'on va pouvoir la construire. Le contrôle de feu auxiliaire, les rôles de combat avancés, le laser à rayon X, lanceur de plasma. Je pense qu'on va aller vers le contrôleur de feu auxiliaire, ça va être rapide. Ok, alors on a terminé du coup les modifications sur l'espèce humain hybride. Je pense qu'on va aller sur notre humanoïde standard là. Appliquons ce mode. On va faire celui-là du coup. Construction complete. Ils sont moins nombreux. Mais attendez du coup. Ah mais oui, j'ai 85 robots aussi. Est-ce que ces robots, j'ai fait des variantes? Ah, j'ai pas d'autres points de trait pour l'instant. Alors qu'on les upgrade. Construction complete. Bon ensuite, nous avons quoi? Terzam Prime. Ah! Qui vient d'atteindre premier rang de niveau. Oh, une centrale obétarienne. Avec plaisir. Eh oui, du coup, on avait quoi ici? Des champs de bétarienne et des marais bouillonnants. Ça roule. Cool, les minéraux. Bon, la situation économique s'améliore légèrement. On va en profiter pour, bim, 3700. Rajouter une bonne dose de vaisseaux militaires. Alors, on est à 95 sur 124. Ça va faire gaffe, quand même. Nombre d'emploi des pop, plus 42 seulement. Non. Ouais, vous savez quoi? Pour 500 unités, je veux bien. Parce qu'au vu du prix, il va avoir le coup, quoi. Et en plus, je récupère dans la folie. Dans la foulée, pardon. Ok, modification d'espèce achevée. Du coup, on n'a plus que celle-ci. Parfait. Et on devrait pouvoir appliquer ce modèle. Attendez, on va modifier. On va créer un modèle. Reprendre forte. Créer un modèle. Appliquer le modèle. Merci. Partout. 15 mois, c'est parti. On était en train de rechercher quoi déjà là-dessus? Ah oui, la nourriture produite. Bon bah, pas grave. Alors, sur les constructions, on en était que... Je devrais pouvoir faire ça. Toi, tu patientes toujours encore. Et voilà, c'était celui-là que je voulais. Mais, ah, bon, ça va, il nous en manque pas tant que ça. Mais d'ailleurs, tiens, j'ai plus de... Quoi, c'est les factions qui ont augmenté, je crois? J'ai l'impression, ouais. Ah oui, et toi par contre, tu patientes pour l'instant. J'y pense, mais on va peut-être se faire carrément ça. Toi, t'es quoi? Ok, t'es en train de te déplacer. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a recherché là? Ah, station minière. Cool, ça va nous faire un bon boost. On pourrait remettre une couche là-dessus sur 30 mois de recherche. Et quoi, on va le faire? Ça devrait être pris en compte au mois de... Oh yeah, construction yeah. Station 315 quand même, c'est pas rien. Et là-dessus, on est à quoi? Station 577. Ah oui, le gros du coup est produit par les stations en réalité. Hein. Construction complete. On va voir sur Sirius Prime. Donc Sirius Prime, on est sur une capitale de secteur, on va dire. Ici, on est plus sur de la production industrielle en global. Alors, on a les fermes hydroponiques, ça va pas trop m'intéresser, ça. Ce qu'il me faudra, c'est le ministère de la production sur cette planète. Et quoi, on va rajouter une couche sur les industries civiles. On upgradera celle-là après. Il reste plus que 3 emplacements. On va rajouter un district supplémentaire de ça. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de place sur ce monde. Ok. Et oui, parce que les grands mondes, c'est cool. Recon pass completed. Ah, celui-là, il va me le falloir. Irgel. Hop, toi, t'as terminé là-haut. Bon, pour 3 d'énergie, c'était pas extraordinaire, hein, ça c'est sûr. Hein. Hop, pardon. Donc, on va effectivement upgrader ce monde au niveau suivant et mettre un bastion dessus. Parce que je veux à tout prix protéger mes. Oh, remarquez. Et quoi? On va plutôt lui installer. Le sanctuaire du mystique. Ça va nous produire des services. Les gens seront heureux. Et c'est tout bénef pour nous. Yes, ça va nous faire du bien. Alors, sur ce monde... Oh, on manque de gouverneur ici. On va en rajouter un. Celui-là me semble très bien. Et du coup, sur ce monde-là, on va upgrader ce monde. Et qu'est-ce qu'il y a comme malus déjà ici? Ah oui, putain, 30%.
de district en moins. Alors c'est vrai que si on est sur monde industriel, production à mort de trucs comme ça. Autant rajouter une couche, non? Tant qu'à faire. On a déjà le bastion. On a suffisamment de services. C'est quoi, on va rajouter une couche sur les industries civiles. Et quoi, sur du taille 16. Il nous reste 6 emplacements. On va rajouter un autre. Comme ça, il n'y aura pas plus d'emplacements disponibles derrière. Ok, le contrôle de feu auxiliaire. Alors, oh, l'institut de recherche sera une très bonne idée. Yes. Comme ça, on va pouvoir le mettre sur 3 de nos planètes. Construction complete. Ok, alors toi, t'as terminé. Tu es, hop là. Alors. D'accord, ils sont là. Donc, bonjour. Essayez de ne pas nous tirer dessus. Engaging enemy station. L'appareil est pot cassé. Ici, équipage de Luxion. Le plan a parfaitement fonctionné. Yeah, cool. New species génial. Available. Bonheur plus 10%. Génial. Et on a terminé la modification des humains en même temps. Je me disais, tiens, j'ai une nouvelle... Alors, on a d'ailleurs cela qu'on va appliquer. Non, pardon. Voilà, aux autres. Pourquoi ça fait des new sit rep entre temps, c'est bizarre. Ah non. Donc, Osmadine, c'est terminé. On va venir nettoyer ça. Mais par contre, le scavenger bot, on va le laisser là. On va pas y toucher, lui. On va rentrer à la base, du coup. System reconnaissance completed. Parfait. Donc toi, tu peux rentrer à la base maintenant. On va rentrer réparer, ouais, à sol. On va même aller jusqu'à Irma, tiens. Ah, j'ai beaucoup d'influence là, dis donc. Ouh, ah bah oui. Les systèmes avec des bestioles là, en règle générale, ils nous ramènent un max de... Putain, on fait de chier quoi. Non. C'est, ça crée des systèmes où il y a un max de minéraux. Donc là, on devrait avoir un système qui est... Putain, on peut plus regarder la quantité de cristaux rares qu'il y a ici quoi. Ça va être énorme ça. On est à quoi? 3, 14, 3. Alors honnêtement, on va pouvoir mettre les bouchées doubles sur... Ouais, ces trucs là. On est à 73 sur 80, donc sur ce monde là c'est peut-être pas nécessaire. Mais genre ici, oui. On va upgrader tout de suite. Après ça c'est du cristaux, ça c'est plus l'autre truc. Cristaux ici aussi. Est-ce qu'on a d'autres endroits? Là c'est du cristal. Là on peut se booster ça effectivement. Celui-là aussi au passage. Celui-là aussi, vu qu'on a vraiment un gros paquet de cette ressource en particulière. Yes. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Encore les collections de babioles. Non, ça m'intéresse pas parce que là maintenant j'ai un bon bonus de bien de conso. Donc on va peut-être se reconcentrer sur les deux autres ressources. Construction complete. Ok, donc là normal. Oh putain, je suis à 132 sur 124. Va falloir que j'augmente. Et quoi? J'ai presque envie de faire un ancrage. Juste le temps de... Bon, sur ce monde là on est à quoi? 1, 2, il me faudra un troisième pour récupérer les 5 qui sont là-haut. Donc on va construire ça et après on peut faire un ancrage derrière du coup. Yes, ça peut le faire ça. Putain, il y a pas mal de ressources ici aussi. Ah, t'as terminé toi? Alors sur Zambor au passage. Donc là on est clairement sur un monde minier. Et j'aimerais qu'il reste minier d'ailleurs parce qu'on est à plus 5% d'extraction minière. Donc ça nous fait un bon petit boost très sympathique. Là-dessus on est large. Après on est à 35 sur 35 donc on va avoir besoin d'emplois supplémentaires. J'ai presque envie de faire une zone commerciale tout simplement. Et on va rajouter 3 districts de ce type là. Un district de ce type là. Donc Zambor, c'est ce système-là. On est sur quel secteur? Est-ce que j'ai la vision sectorielle, moi, ici? Là.
C'est moi où ils ont agrandi les trucs des secteurs. On est à 1, 2, 3. Oh yes, donc Zambor est dans le secteur de la Terre. Intéressant. Dommage que Sirius et Rougeba ne soient pas dans le même secteur. Donc on est dans le secteur Terre. Donc ça veut dire que sur Zambor, on pourra faire aussi cette production-là, quoi. D'accord. Dommage que ça ait fait deux secteurs ici aussi. Si j'avais colonisé ça en premier, ça aurait peut-être fait le même. Je crois qu'ils vont, ils vont faire une refonte un petit peu de comment les secteurs sont générés actuellement dans le prochain patch. C'est vrai que c'est pas génial, quoi. Alors, toi, t'as terminé au passage. Donc tu vas nous faire un avant-poste. Lui, pendant ce temps-là, il est en train de repartir par ici. Alors, on a assez pour continuer à s'étendre. Donc on continue à s'étendre. Construction complete. Recon pass completed. Après, ancrage ou plus de... Parce que bon, j'ai qu'un bastion de niveau 1. Si je l'upgrade juste d'un niveau avec la recherche adéquate, sachant que c'est de la recherche de type là et qu'on a perdu pas mal de temps à faire des modifications génétiques. Ah putain, encore ! On pourrait très bien dire à lui d'arrêter de se... Ouais, mais je peux pas. Construction complete. Construction complete. System reconnaissance completed. Wow, pas tous en même temps là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Gouverneur de compétence 3, ça m'intéresse pas trop. Et non, toujours le même truc, ça m'intéresse toujours pas. Alors où est-ce qu'on... Ah yes, on avait récupéré normalement ouais, 3, 15, 6, nickel. Alors je voudrais peut-être fermer ce truc là. Spaceport reports enemy contact. Science division reports a new breakthrough. Ils sont combien? 955. On devrait pouvoir balancer la Strike Force Scylla dessus. Sans problème. Strike Force Scylla qui n'a pas d'amiral d'ailleurs. Logement de district urbain augmenté, ça serait une bonne idée. On peut aller sur les ouvriers droïdes aussi. Les pop de robots sont capables d'occuper la plupart des emplois des pop, mais pas celles des gouvernants et des spécialistes tels que les chercheurs. Ce serait intéressant. On va upgrader ça du coup. Et après je vois qu'on a des problèmes d'emploi ici. Alors après on a pas mal de constructions en cours, donc ça devrait être gérable. Et ici construction complete. On a des gens qui... Ah on a un robot. Ah bah oui d'accord, j'ai compris. On a rencontré une nouvelle civilisation encore. On va faire le... vous savez quoi? Non. On va faire plutôt 3 districts de production de nourriture ici à la place. Bah après, dès qu'on va passer aux droïdes, de toute façon, ils pourront occuper la génération d'autres ressources. Après, c'est vraiment ce système de Gantou, j'ai l'impression qu'il pose vraiment des gros problèmes de trucs. Donc, il faudrait presque que je foute une... Je vais peut-être foutre une station ici, en fait. Vu que ça fait genre 3 fois qu'ils apparaissent sur cet endroit en particulier. Bon, écoute, toi, tu m'emmerdes. Mais bon, ça... Allez. J'aimerais qu'ils arrêtent de se développer en fait. Mais le truc c'est qu'ils sont forcément en train de se développer, j'ai l'impression. Bon, et ici on va faire du centre de recherche. Parce qu'on est sur les mondes centrales proches de sol. Donc du coup c'est du monde de recherche ici. Alors ça par contre c'est cool. Parce que si on a l'énigmatique cache qui se balade sur Alpha Centauri Prime, on doit avoir des productions de recherche qui commencent à être sympathiques ici. Yes, on a 3 centres. Ça c'est pas dégueulasse du tout. On va remplacer ça par un district urbain supplémentaire. On pourrait en faire 4 œcuménopoles. Genre tous les autres systèmes seraient des systèmes de soutien et ça serait nos 4 mondes centraux de tout notre empire quoi. Je sais pas, on verra. Yes, toi tu nous construis tout ça. Et toi t'as terminé ici. Donc tu vas venir. Ah merde, j'ai pas assez d'influence. Et ouais, ça coûte cher de s'étendre. New species variant available. Bon, il a fini là où... Ah, il y en a encore deux. Hein. En fait, comme j'ai le problème, c'est... Ces pops sont en train de se développer pendant qu'on est en train de faire le switch. Et du coup, elles finissent de se développer après. Et forcément... c'est fou le bordel. Bon, alors, dégante tout. System reconnaissance completed. Construction complete. Voilà, on construit et on va faire des trucs de défense.
Comme ça, on va essayer de repérer les endroits où justement on a ce type de problème. Et ouais, toi tu peux revenir à ta base. Alors du coup... Bon ouais, par contre les trucs, c'est peut-être pas nécessaire de les récupérer. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est au moins ça. C'est-à-dire que toi, tu viens jusqu'ici. Ensuite, toi, t'as terminé, donc du coup, je vais te renvoyer en exploration automatisée. Parfait. Et c'est très bien tout ça. On est à plus 33, donc on est large. Donc on peut upgrader celle-ci. Est-ce que... Yes. Là, apparemment, c'est bon. La capitale de l'Empire. On a encore pas mal de pods disponibles. Il va falloir qu'on remplace. Ouais, honnêtement. Hop. Non, ça m'intéresse pas direct parce que je sais ce qu'il va me proposer. On va remplacer directement ce district minier parce qu'on est. On est large de ce côté-là. Et je vois qu'on a un dernier bâtiment disponible. Alors du coup. Je pense qu'on va y faire. Ouais, je pense qu'on va juste y faire un autre centre de recherche en fait. Faut bien booster la recherche. Construction complete. Oh putain. Ouais, toujours considéré comme inférieur économiquement. Bon, ça. Vu qu'il peut pas s'étendre plus, je pense qu'il va être un peu coincé par rapport à ça. Viens voir. Strike Force Warren, elle vient de rentrer à la base. Parfait. Et. Ouais, lui, ouais, voilà. Il s'est bien développé sur toute la zone, du coup. Heureusement que je l'ai coincé. Du coup, il lui reste plus du tout de zone où se développer. Donc, il ne. Construction complete. Qu'est-ce que. Puissance de flotte supérieure. Il a déjà des stations. En plus, il a le marché galactique, mais ça, c'est autre chose. Mais waouh. Ça produit un paquet de ressources, cette saloperie, donc. 200, 225, 78. 13 ici. Et moi, je suis à combien chez moi? 95 à peine sur Terre. Ah, il produit beaucoup plus que moi. Bon, c'est pas grave. C'est toujours nos robots qui sont... Construction complete. Ah, on est repassé en positif sur les crédits énergétiques. Construction complete. Génial. Construction complete. Science division reports a new breakthrough. Et en plus, ça devrait aider à résoudre ce problème là-haut. Alors, on a la provolution si on veut. On peut encore faire de la modif génétique, sinon... des bloqueurs supplémentaires, ça je pense que c'est l'idée du siècle, là, ouais. On va faire... retirer les bloqueurs, parce qu'il faut vraiment que je nettoie tous les mondes possibles. Donc, toi, des batteries de canon. Bon, c'est... Ouais, toujours ces babioles. Ça m'intéresse pas. Et je vais upgrader en redoute stellaire derrière. Non. Toujours pas, je veux pas vos gouverneurs. C'est chiant qu'ils reviennent systématiquement. Parce que si tu leur dis ça ne nous intéresse pas, ils devraient pas revenir du tout, en fait. C'est vraiment l'idéal. Vous savez quoi? Plutôt que de continuer à descendre vers le sud, je voudrais finir de cette zone en fait. Comme ça, ce sera un petit peu plus propre. On va venir jusqu'ici. Et après, toi, tu vas revenir jusque là-haut de toute façon, parce qu'il faut qu'on s'étende dans cette zone là-haut. Alors, sur Gotra Prime, on est à quel endroit avec Gotra Prime? On est juste à côté de Sirius. Ah, vous voyez, on est repassé en positif grâce à toutes ces belles choses. Alors, en termes de ressources, on est à quoi? 4, 8, 10. Donc, ce serait peut-être pas mal d'avoir une autre centrale chimique. Bon, on va la faire sur ce monde, tant qu'à faire. On va avoir beaucoup de place sur ce monde. Ça va être un beau monde industriel. Donc, pour les robots, on a encore 14 mois, de toute façon. Ok. Bon, je vais faire un break ici, de toute façon, parce que l'heure est en train de bien avancer. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très bientôt, si vous voulez en savoir plus pour... de nouvelles aventures. Salut à tous !